avons enfin réussi à trouver. Ok, re-YouTube. En route. Je crois qu'on est tombé sur quand on lui livrera vous celui-là. Auriez dû vous trouver. Yeah. À vous crever maintenant. Ah ouais, il est tout taqué. En train de mourir de saignement là. Hop. Ah non, mais calme-toi par contre. Aïe. Au secours. Non mais tais-toi. Fais m'avoir, c'est con. Voilà, littéralement, tu pouvais faire deux pas et sortir de ta cage. Tu es Bayek de Siwa, n'est-ce pas? J'ai entendu parler du Medjay qui a traversé le désert. Je suis Théodoros, l'un de ceux qui s'opposent au Philakitai. C'est ce qui t'a conduit dans cette cage. Oui, une attaque ratée. Je traque Deratos. Général de Ptolémée, qui voue une haine implacable aux Égyptiens. Un tueur de mère, de père et d'enfants. Un tueur de famille, quoi. Que lorsque sa carcasse sera sous terre, accepterais-tu de nous prêter main forte? Avec plaisir. Comment ça, nous? Ta cause est juste. Parfait. Mes hommes et moi, nous allons nous regrouper à Bakias. Viens avec nous. Mais comment un Grec se retrouve à défendre le peuple d'Égypte? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes qui? Allons faire son truc de naze. Non mais félicitations. Ah faut l'escorter. Oh mais vas-y là. Un jour, j'ai laissé couler tout le sang grec qui court dans mon corps et je me suis juré de débarrasser l'Égypte des crapules comme Deratos. Ah bah ils sont là tes potes. Bravo les gars, hein, vous arrivez au bon moment. C'était plus nombreux. Nous avons dû battre en retraite. J'ai été capturé par un convoi d'éclaireurs. C'est un ami. Et battu jusqu'à ce que je révèle notre lieu de repli. Mais à la place, tu les as conduits dans un piège. Bravo. Je savais que mes frères me libéreraient. Mais j'ignorais que le Medjay de Siwa serait parmi eux. Quoi parmi eux? Mais ils étaient pas là tes potes, hein? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas vécu la même chose. On passait des années à traquer Rujek. C'est un le Fayoum. Comprendre que tu t'en étais occupé seul. Attends. On ne peut pas dire que tu es notre allié. Pourtant, t'es... C'était littéralement à 50 mètres là. Non, nous allons nous installer ici et attendre le bon moment pour frapper. Je vais me renseigner. Quoi? Bonjour. La cible est à ma portée. Ça passe pas comme ce qui était prévu, je pense. Alors reste là. Attends, il y a un trésor là. Non, bah, ils vont s'en sortir. Je reviens. Rendez-vous utile à vous-même. Alors, où est-ce que c'est? Mais bute-le! Et quel échec! Des flèches en tête.
tête là. Ça fait un arc léger nul. Encore l'escorter, mais tu peux m'avoir. Hein. S'il le dit, je le crois. Allez, hop là, dodo. On va aller chercher l'autre naze là. Ce sera occupé de ses blaireaux. Bien le cheval. Refaire ? Ah mais non mais... Il est en mode figurant. Comment un grec se retrouve à défendre... Il sort d'où le mec derrière là ? Ma mère était grecque. Mon père, égyptien. Un jour, j'ai laissé couler tout le sang grec qui court dans mon corps et je me suis juré de débarrasser l'Égypte des crapules comme d'Eratos. Mais t'es un émo ! On a failli réussir. Nous avons trouvé son campement, mais ils étaient plus nombreux. Nous avons dû battre en retraite. J'ai été capturé par un convoi d'éclaireurs et battu jusqu'à ce que je révèle notre lieu premier. Mais à la place, tu les as conduits dans un piège. Bravo. Je savais que mes frères me libéreraient, mais j'ignorais que le Medjay de Siwa serait parmi eux. Je vois pas où est le piège, mais... Okay. Nous avons passé des années à traquer Rujek, avant d'apprendre que tu t'en étais occupé seul. On ne peut pas dire que tu es notre allié. Pourtant, tes objectifs et les miens sont parfois les mêmes. Comment ça, on n'est pas alliés alors qu'on est... Ce que tu dis n'est pas faux. Nous allons nous installer ici et attendre le bon moment pour frapper. Mais t'as pas de race. Je vais me renseigner. Les chiens. Ils ont envoyé des groupes d'éclaireurs. Théodoros. Dératos. Dératos est parti. Nec. Il m'échappe encore une fois. Que faut-il faire? Réfléchissons. Nous avons là une occasion unique de faire d'une pierre deux coups. Nous allons attendre le retour de Dératos au campement. J'ai appris que son scribe personnel était resté en arrière à Caranis. Si l'un de nous montre son nez là-bas, il sera repéré. Toi, ils ne te connaissent pas. Alors ramène-nous le scribe. Il nous dira ce que nous voulons savoir. Comment le trouver ? La nuit, il dort dans la cour. Pendant la journée, il travaille quelque part dans le temple ou sur la terrasse qui surplombe le lac. Il est habillé avec élégance. Et depuis l'échec de notre attaque, des gardes l'accompagnent. Mais est-ce qu'ils tous... C'est important, hein. Est-ce qu'ils tous... Hey, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand le mec qui me dit... on est potes... À vouloir tuer les Philakitai. 10 mètres plus loin, il dit on n'est pas des alliés. D'accord. Ouais. Je pensais qu'on se retrouvait sur quelque chose, mais. Souris, je m'étais trompé. Du coup, en fait, je m'en fiche qu'ils me disent qu'il est accompagné de deux gardes et que la nuit il dort dans la cour et qu'à l'extérieur, en plein jour, il est sur la terrasse parce que moi j'ai un super drone.
Ceci ne vous concerne en rien. Continuez à faire ce que vous faisiez. C'est ce que je compte faire. Est-il vraiment nécessaire de me suivre partout ? Ce sont les ordres du général. Nous ne devons pas te quitter. Il ne tardera pas à revenir à lui. Il faut que je le ramène à Théodoros. Pardon. Lâche-moi. Ah, la giga fraude. Allez hop. In the pocket. Ramon, c'est horrible. C'est le jeune prêtre du temple. Que les dieux nous protègent. Mais arrête de bouger. Personne n'est à l'abri. C'est ce maudit temple. Je l'avais bien dit. C'est un blasphème. Ils sont en colère. Ah, je sens que les gardes là. Ils vont devoir faire un petit rapport, ça va être compliqué pour eux. Attention. Quoi, tu vas vomir ? Ah, comment je l'aurais pris là ? Hop, allez, viens. C'est bon, j'ai le paquet. Pardon. C'est lui. Bien joué. On va lui délier la langue. En attendant, nous devons préparer notre attaque. Certains de nos frères sont installés près de Soknopayou, à l'ouest. Va les voir et attendez mon arrivée. Nous allons en finir avec ce Neket Yadet. D'accord. Un scribe qui connaît très bien Karanis. Kratos, où est-il ? Il est là. Personne de ce nom. Ne joue pas avec nous. Pitié, arrêtez. Alors parle, on va te casser les doigts. Ah, j'ai bien fait de l'emmener ici. Ça va être sympa ce qu'il lui réserve. Écran de fumée, on s'en fiche un peu quand même. Bon. Qui est la suite des opérations. Serpent sur le bord de la route. Où est-ce que je vais, moi ? Où est-ce que je vais ? Ok, c'est là. Me casse ici. Bonjour. Oh, c'est un plan cul. Ah, attention, je tousse. Ça veut dire que Bayek me recherche. C'est beau. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Ça me regarde en rien. Ça me regarde en rien. Les hippopotames.
Est-ce que j'ai besoin d'hypo? Non. Bois, cuivre, peau de prédateur. Okay. C'est dur à trouver le bois et le cuivre. Ah mais... Voilà. 20 de bois. Tiens, dans ta main. Donne-moi ton bois. En train de cramer le pauvre. Le mec était en combustion spontanée là. Enfin, dans le Fayoum. Éradiquer les hommes du crocodile. Gentiment, je t'immole. Peut améliorer le brassard. T'es les dégâts au corps à corps. Ou plus de flèches. Sans hésiter. Plus de flèches. Je ne suis pas le premier visiteur aujourd'hui. Oh, t'es fraise ! Mec, il n'est pas là. Il faut que je trouve où est mon informateur. Plus vivace ! Et les activités économiques grecques se développent très rapidement. Des rouleaux et de l'encre. Ah, rien qui m'apprenne où est passé au Téfrès. Ah, des plumes. D'un pigeon voyageur. La prospérité pour tous. Ok. Avec l'augmentation des achats de terres égyptiennes et l'application de... d'enfants. Ah, je vais tuer ce Naked Yadet de crocodile. La sécurité pour tous. Oh non, Lucien. Oh, qui a pu faire une chose pareille? Qui protégeais-tu, mon ami? Un peu fin, quand même. Beaucoup de dégâts, et pas de sang, ni de traces de lutte. Peut-être a-t-il pu fuir avant. Ces rouleaux ne m'apprennent rien d'utile. Je devrais aller voir là-haut. C'est un tigre. Pourquoi est-ce qu'il y a un tigre au mur, là? Il n'y a pas de tigre en Afrique. Avec l'augmentation des achats de terres égyptiennes et l'application de méthodes agricoles grecques, les fermes et les cultivateurs du Fayoum produisent plus que jamais. La prospérité pour tous. Selon le dernier recensement, un message laissé par mon informateur. On dirait qu'il a pu fuir. Ok. Et les soldats ont pris son serviteur. Si le serviteur est toujours en vie, il saura où est Otefres. Il doit être prisonnier au camp militaire voisin. On se barre. Petit chat. Attends. Petite Prada. Oh. Ça coûte cher, mais je prends. C'est nul. Pourquoi il stresse mon cheval? Non, je vais peut-être faire une pierre de coups là. Le camp, le bateau. Où est-ce qu'il est? Vision de drone là. Non, il va où? Non, je fais nulle part. Ils attaquent à vue. Ok,
Embuscade là. Embuscade ratée. Parce qu'elle a pas voulu sauter dessus. En vrai, regarde. Touche-moi. Touche-moi. Mais... Quoi, Alice ? Ok. C'est mon cheval qui fait nimpe. Ok. Tout est là-bas. Je t'en prie, lâche. Vas-y, tu regardes dans cette direction. Comme ça, il est à l'intérieur. Mugut. Là, je suis caché. Lui se ramène. Je le mugut. Oh. Vite. Non, mais approche-toi. Boum! Pitié, je t'ai dit tout ce que je savais. Qui es-tu? Un ami. Pourquoi vous savez pas vous tenir debout? Et toi? Je vais te sortir d'ici. Tombe pas, hein. Reste là, d'accord ? Je reste là. Oh, y'a des mines ! Oh, les fous. Les dieux te bénissent. C'est Otefres qui t'envoie ? Non, mais je dois le trouver. J'ai besoin de lui pour traquer le crocodile. Tu peux m'aider ? Tu tiens debout ? Oui. Otefres est sur le lac Moeris. Il convoie une grande statue qui porte notre marque. Hein ? Crocodile a engagé des mercenaires pour le... C'est que j'ai un bateau. Alors je dois faire vite. Va te mettre à l'abri. Sois prudent. D'accord. Mais il y a des mines partout ! Allez ! Ça va. Son bateau se brise. À quoi ressemble la région ? C'est un très grand lac. Encore une mine. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? C'est des patrouilleurs. Attention, Croco. Bonjour, je suis un pirate. Ils envoient un fils d'Égypte m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein?
Je suis Bayek, de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux. Qu'est-ce que tu lui veux ? Il fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa, tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile ? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre ? Ma femme Kenout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien. C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kenout que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille, Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria. C'est pourri ton machin. Inspecte mon bateau avant de partir. Je recense tous les problèmes de la région dont le crocodile est sans doute responsable. Ça pourrait t'intéresser, Medjay. Bah, laisse-moi le faire. À qui est dédié ce sanctuaire ? Je prie et me recueille pour les victimes des incendies de Dionysia. Quelqu'un met le feu aux fermes. Toi, Medjay, tu peux arrêter ça. Je vais essayer de t'aider. Ah non, par contre... Bah, j'en ai rien à faire, quoi. Surtout niveau 37, mais t'es un ouf. Les populations de villages entiers de Psenic... Un grand malade, j'ai pas le niveau. Qu'est-ce que tu fais ? Un mystérieux fléau frappe les pauvres gens de Emeria. Leurs corps sont brûlés, leurs âmes damnées pour l'éternité. Ils n'iront jamais dans les champs de roseaux. J'essaie de leur trouver un remède. Il en existe toujours un. Je dois juste trouver la bonne combinaison. Brûler les morts ? Pourquoi une telle folie ? À vous. Les populations de villages entiers de Psenéris ont disparu. La crémation, mais quelle horreur ! Parle d'une invasion de démons. Bonjour. Je réquisitionne votre bateau. On n'est jamais vu. Voilà. Comment elle a mangé le bateau ? Ah, c'est terrible. Elle a bouffé à pleines dents. Surtout que c'est un emprunt, elle pouvait rester sur le bateau. C'est long. Ah, le bateau, on peut faire quelque chose. On fait un peu. Ces deux petits bateaux là. Il va bien d'être prudent par ici. C'est là. Un croco à fumer. Niveau 29. On veut. Ok, donc. C'est faire. Je veux du faire. Sans champ pirate. Non, mais t'as rien vu. J'espère pas m'échapper en grimpant, toi. Vous êtes au courant que vous avez des cruches qui glitchent Tu vas le regretter. Hey, voilà. Monte, monte, monte. Tu vas le regretter. Là,
ninja. Non mais tu meurs de... Tout doucement tu meurs là. Pas du tout. Bouge pas. Hein. Oh, pardon. Ah c'était pas volontaire ça. Ah c'est bon. Ils ont réussi à éteindre le feu, je sais pas comment mais... L'enfer. Mais non mais tire-toi. Ah, t'essaies d'être discret et... Je peux pas. Mais tire-toi. Elle saoule. Ah la forceuse. Ça va. Chute de 3 mètres. Calmons-nous. Viens. Faire quoi l'autre? Je n'ai pas rien. Tire pas du bon côté. Quoi? Tu n'as nulle part où aller. Hein? Tu es à moi. Vous êtes mille fois trop fort. Comment est-ce que vous avez fait pour me voir? Il est trop balèze. Il se met dans des endroits de dingue. C'est pour une arme que j'utiliserai jamais. C'est dans la tête, c'est dans la tête, Mike. Si profond, je ne vois rien. Oh, un nouveau bouclier qui m'augmente de 1. En plus, ils sont vraiment en mode. Je vais mettre au-dessus de lui pour le sauver. Ça marche pas comme ça. Hein. Faut juste m'assommer avec le. Avec le fond de ton bateau. Et pour peu qu'il y ait des barnaques dessus, tu vas juste me râper et me tuer. Comment elle me fonce dessus? Mais ça n'a pas de sens. Casse-toi. Laisse-moi. Mais c'est la même. Giga forceuse. Ce jeune malfaiteur a profané les dieux. Son châtiment sera un exemple et une expiation. Ses mains pour le vol, sa langue pour le mensonge. Comment ça le gratte à peine? Silence, mon enfant. Je t'interdis de parler. Que puis-je faire pour toi?
Mais attention, ils se vendent très vite. Des trésors uniques et précieux de Siwa. C'est chez moi, donc je m'en fiche. Et laisse-moi tranquille. Ça veut dire combien la prospérité grecque, la famine pour l'Égypte. Les Grecs s'enrichissent en Égypte, mais nous, on a faim. Les pauvres paient plus d'impôts que les riches. Pourquoi, hein? On est chez nous. L'Égypte est à nous. La prospérité pour tous, qu'ils nous disent. Mais les ouais, ça. Il y en a que pour les Grecs. C'est pas mal, c'est pas dégueu. Hop, petit bouclier nul. Petit arc nul. Il faut nettoyer cet endroit et le remettre en état au plus vite. Kenout ? Oui. C'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider. Et j'ai la poupée de ta fille. Bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler. Alors, la dernière fois qu'on m'a invité à manger, ça s'est très très mal passé. Ou te vexe pas si j'ai pas confiance. Oh, j'adore ma nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Izette. Et maintenant, c'est... Reste pas trop proche de Bayek, il a tendance à tuer les enfants. Tu vas me taper avec ta poupée, là. Depuis, Otefres s'est emparé de ce registre. Le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, il ne s'en cuisine, ça à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Bouah, bam ! Le Bayek ! On peut voir ma maison du haut de ce toit. Suis-moi ! J'espère que tu n'as pas le vertige. Guide-moi, petite. Cette gamine a plus de 20 ans ? C'est quoi cette voix ? Regarde, je te mets une race. Ça a l'air amusant. Regarde. Bah là, on est nuls. Il y a des gens chez toi. Je viens souvent ici. Tout est si beau vu d'ici. Les gens, ils devraient être heureux. Mais non. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Pourquoi je fais des mini-squats, là? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Ça tombe bien, regarde. Regarde ce que je vais te faire. Ch'tonk. Il peut rien m'arriver de mal, tu sais. Izette, elle sait se battre. Elle va me protéger. Ah non, ferme-la par contre. Ch'tonk. Au revoir, la folle. Profite bien de la folie, ouais. Oh, il est interdit de venir ici. On a retrouvé le registre. J'aime bien. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Bayek qui dit ah, oh, c'est terrible la crémation. Il vient d'en faire 3 là. À petite foulée, il fait 3 crémations. Ah, pardon. Je ne savais pas que t'étais quelqu'un. Pour le Gondor.
On fait disparaître le corps. Le serviteur. Dej. Les serviteurs. Par les dieux. C'est Shadia qui l'a écrit. C'est elle qui a le registre. Et je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Elle est conne, cette gamine. Pardon. Qu'as-tu fait, petite? Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Oh, elles sont belles, les couleurs. Oh! Est-ce que ça prend feu? J'espère que je ne tue personne avec cette flèche. Tu as vu Kenout? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenout a plaidé sa cause, mais ils ne l'ont pas écoutée. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Mais Otefres, ils sont sur un bateau au milieu du lac. Kenout et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Pour tous, mec. On n'a pas de grain. Mec! Ils ont brûlé l'eau. J'espère encore un gamin qui va crever. Et pour une fois, ce sera pas la faute de Bayek. Bonjour, excusez-moi. Hop. Je récupère ça. Je crois qu'il y en a un autre quelque part, mais je sais pas où. Et juste ici. Voilà. Oh, c'était en express. Yo. Shadia. Shadia. Utilise ton drone. Mais t'es pas du tout sur le bon. Ah ouais? C'est quoi ce Steam qui vient t'embêter dans ton jeu pour te dire. Mais laissez-moi, j'ai le droit de vouloir nager. L'espérance de vie des enfants dans Origins. Compliqué. Ma fille, ma Shadia,
Ce monstre nous a tout pris. N'était pas très maligne, ta fille, quand même. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. J'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs. De la reine de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Est-ce que je dois mettre le feu au bateau comme les Vikings ou Ça me dérange pas, hein, j'ai des flèches enflammées. Moi je fais ça propre. Hein. Genre lui là. C'est un brave type. Quel connard. Alors. Toi, t'allais faire ça. Histoire d'avoir un petit point de TP, ce serait pas mal. Ah, j'ai trouvé direct. Oh, trop bien. Mitraillette. Désolé, hein. Je crois que je suis obligé de répéter ce que les gens disent. Tu as entendu parler du nouvel étal vendant des trésors du temple de Siwa? Il me parle pas. Tu es fou. Qui voudrait acheter des trésors? Ah ouais, j'ai une mission comme ça. En écoutant aux portes. Mais je fais tout le temps nuit dans le jeu. Et c'est où Crocodilopolis là? Arc léger rare. Beau dis donc. Et beau dis donc, moi je prends. Attends, c'est quand le DLC? 44. Ah ouais, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Hein? Ah non. Je suis en train de me dire, mais il faut tout refaire? Petit saut. Petit saut. Petit saut. Petit... Non! Petit saut, j'ai dit. Petit saut! Attention, lui, là. J'ai pas un petit 180 degrés, là, dans ma direction? La
4e pour faire quelque chose avec. J'aurais pas un bateau qui me fonçait là. Il me tue. Voilà. Non mais fonce-moi dessus hein, au pire. Attends, je suis l'empreinte pour la peine. Ah mais lui il va s'asseoir. Pourquoi l'autre s'est suicidé? Bonjour. Reçois un message. Mais c'est encore Steam qui me harcèle. Non, je m'en vais. C'est quoi ça, Steam qui m'envoie une notif en plein jeu et qui harcèle mon téléphone? C'est pour les huîtres? Elles font de la pisciculture? Est-ce que ça existait la pisciculture à cette époque? Probablement. Fameux saumon d'Égypte. Je ne veux pas que tu joues avec lui. C'est l'homme bête qui vit là. Tu veux te faire couper en morceaux? Non mais arrête de me parler. Crocodolipolo. Crocodolipolopolis. Hein? Non mais ça suffit. Veuillez à me laisser. La reine des gladiateurs. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas. Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent dans ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? J'avoue. Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. Un Gaulois, donc. Hé, hey, Neb, que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerriers aussi féroces. Ils pourraient te briser l'échine d'un coup de poing. Ah, est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Partout les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères Gaulois? Tu ne sens pas leurs regards. Leurs statues sont là, derrière moi. Astérix ? Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. D'accord. Chef. Pokédex. C'est toi le propriétaire ? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu ? Encore un de ces bons à rien qui cherchent à devenir célèbre ? Store Robin ? Entrer dans l'arène. Raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères Gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chameau. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De mettre quoi? Ça s'est impressionné. Tu sais te battre? Ça se pourrait finalement avec tes airs de chien pelé. Non. Tu vas arrêter de cracher? J'ai déjà une égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Ouja Street Fighter? Alors, les frères Gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Combat de rue, combat de rue. Propriétaire actrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. Il
Il faut que je me tabasse avec n'importe qui. Il n'y a pas genre une auberge, un bar. Truc du style, quoi. Amandie, elle est partie à des oiseaux. Ça lance le Sertaki. Yop là. Dans la vase. Voilà cette femme. Comment tu sais ? On dirait. On dirait. Salut meuf qu'on n'a jamais vue. Bayek ? Mon ami ! Mon frère ! Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayum ? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer. Il y a un chat. Je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu ? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça ? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire. Le petit rift de guitare à la Doom, là. Il a envie de tuer des cacodémons en enfer. Seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de la reine. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein ? C'est pour ça que je suis au Fayum, pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de la reine. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts ? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons. Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. Certes. On fait ça plus tard, ok ? Salut YouTube.